Je suis ce soir donc en direct du Venoge Festival 2018 et on vient d'avoir, enfin en ce moment se passe le concert années 80 et pendant que ce concert, ce show a lieu, j'ai le grand plaisir d'être en compagnie d'une artiste que tout le monde connaît. C'est une voix magnifique, un sourire sublime, un charme fou et dans la tête de tout le monde une chanson qui fait vibrer de partout, c'est Julie Pietri. Salut Julie. Salut à tous. Merci beaucoup de nous recevoir. En plus, pendant que le show a lieu, donc ça c'est vraiment, ça nous fait chaud au cœur. C'est la cerise sur le gâteau. Exactement, on ne pouvait pas rêver mieux, franchement. Et bienvenue en Suisse, alors je ne sais pas si tu es une habituée de la Suisse, des scènes suisses. Oui, je viens souvent et j'ai de très bons souvenirs et j'ai un excellent souvenir de Lausanne. Ah, où Lausanne. J'ai chanté dans une boîte absolument magnifique, une discothèque géniale, et où il y avait un monde fou sur tous les étages, c'était génial. Voilà, donc c'était je crois le Mad Club ou quelque chose comme ça. Ah oui. Et j'ai un souvenir ému d'avoir été reçue comme une princesse et d'avoir eu un public en délire. Et ça c'était un souvenir génial. Waouh. Eh bien, comme tu le sais, Redline Radio, on est justement à Lausanne. On est juste à côté de la grande salle de concert Les Docks. Alors peut-être qu'une fois, tu auras l'occasion. J'adorerais venir chanter dans cette salle. Si oui. passes, fais-nous signe, on t'accueillera, on te fera visiter avec grand plaisir. Les années 80 ont marqué des générations entières au niveau musical. Ils ont marqué aussi les mémoires et nos cœurs, notamment ta célèbre chanson « Ève, lève-toi ». Eh oui. Qui est vraiment un succès, mais énorme. Oui. Et comment t'expliques ça qu'aujourd'hui, t'as été sur scène il y a quelques minutes, t'as vu tout le public qui te suit, qui chante avec toi. Ah oui, qui hurle. Ouais, vraiment. Ah oui, c'est magnifique avec les bras en l'air, etc. C'est toujours un plaisir de voir ça et de se retrouver comme quelqu'un d'un peu indémodable ou hors mode en tout cas, c'est un plaisir. C'est chaque fois je m'étonne, mais en même temps je me dis que en tout cas pour ce qui concerne Ève lève-toi, ça reste quelque chose de très actuel. Bon, je dois dire que c'est une chanson très féministe et après tous les mouvements qu'il y a eu, MeToo, etc. Ouais. Ça reste vachement d'actualité. Ouais, je trouve vraiment de dire ce que je dis en disant que femme lève-toi et reste debout, hein, lève-toi, c'est important. Et je crois que ça reste important. Et c'est ma fille qui me dit toujours, maman, t'as écrit ça, ce texte, eh ben écoute, respect. Alors, moi je prends avec amour. Eh bien tu vois, j'apprends quelque chose, oui. C'est donc toi qui as écrit les paroles de cette chanson. Ah oui, je suis auteur, bien sûr. J'avais tout de suite après mon premier tube, Maria Magdalena, oui. J'ai fait encore un autre tube qui s'appelle Je veux croire, et le troisième qui s'appelle Et c'est comme si, j'ai commencé à écrire mes textes, et c'était une reprise des Pretenders qui s'appelait I Go to Sleep, et j'ai repris cette chanson et j'en ai signé le texte et c'était mon premier texte, voilà. D'accord, tu vois, en général je suis auteur de beaucoup de choses et oui. Je ne savais pas ça. Oh, mais il faut aller sur Wikipédia. je vais pas trop justement parce non, que non, on présente. Lit beaucoup de choses. Non, parce que alors je suis assez remarquablement étonnée par le mien, ouais. Parce que tout est vrai. D'accord. Ouais. Ah, ouais. Alors j'irai voir. Donc je pense que quelqu'un, il y a des gens, il y a en tout cas des témoins qui viennent écrire là-dedans, qui sont très au courant de ce que je fais ou qui sont pas loin de, ou assez proches de moi peut-être. D'accord. Je sais pas, j'aimerais bien savoir. Ok. D'accord. Et puis alors avec une chanson comme ça, un texte pareil, avoir une si belle musique, une si belle mélodie, franchement là le mariage des deux va super bien ensemble. C'est vrai que c'est. Voilà, c'est un morceau un petit peu avec des consonances un petit peu orientales. Oui, c'est ça. Voilà, parce que moi je suis née en Algérie, j'ai vécu au Maroc et j'ai tourné le clip de Ève lève-toi en Tunisie. Ah, la boucle est bouclée, hein, l'Afrique du Nord. Voilà, et c'est vrai que au début, en France, ça a été mal vu parce que j'avais repris mon nom de famille. J'ai fait toute une époque, j'ai vendu des millions de disques sous le nom de Julie Toucourt. Oui. Après, j'ai fait Amoureux Fou, etc. avec Herbert Léonard. Ouais. Mais j'ai décidé de tout arrêter et de chercher une nouvelle veine et un nouveau compositeur sur mes textes pour reprendre mon nom de famille, Pietri, et faire quelque chose de très frappant. Et dans ma tête, je me disais, ça passe ou ça casse. Parce qu'au départ, ça n'a pas marché du tout. Les radios n'en voulaient pas.
Et il me disait, non, non, c'est un texte oriental. Puis vous chantez un truc en disant, aux femmes uniques, qu'est-ce qui se passe? Ah, au début, vous ça dites n'a pas des marché choses. Ah non, pas du tout, pas du tout. Les gens en France disaient, mais qu'est-ce que c'est que cette folle? D'abord, elle a repris son nom de famille. On ne sait plus que c'était elle qui chantait Maria Magdalena, etc., etc. Ouais, ouais. Mais alors, en plus, elle nous fait un truc féministe sur une musique orientale. Non, mais elle est folle, celle-là. Et pendant 6 mois, j'ai été jetée. Et un des premiers remixes de l'époque. Ouais. Ah. Oui, oui, oui. Ah. En 86, hein, c'était quand D'accord. même étonnant. C'était pas encore bien dans les mœurs de faire des remixes. J'ai fait un remix avec un DJ et c'est passé dans toutes les boîtes possibles et imaginables. Ouais. Ouais. Et quand ils sont rentrés de vacances, les gens, j'avais sorti Ève, lève-toi au mois de fin mars. Quand ils sont rentrés de vacances, fin août, je suis rentrée, mais alors à la dernière place, hein, 49e ou 48e au top 50. Ouais, ouais. J'ai squatté le top 50 pendant 6 mois passés. Wow. Et dont la première place, ouais, etc. Ouais. Deuxième place. Et je redescendais jamais. C'était terrible. Parce que j'en revenais pas. Je me dis, mais c'est quand même, on m'a jeté de partout. Puis tout d'un coup, je fais un record. Incroyable. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis de durer maintenant des décennies après, oui, on entend toujours même ta chanson. Oui, j'ai même fait un Drucker avec Christophe Willem qui a voulu reprendre Ève, lève-toi au piano-voix avec moi en duo. C'était une merveille. Wow. Une merveille. Et c'est lui qui avait demandé. Ouais. Ah, j'étais très flattée. Ah, super. Ouais. Ah bon, on en apprend des choses, c'est incroyable. Il sait pas tout. Ah ouais, ah bah non, bah heureusement, hein, c'est encore le but des interviews, c'est de réussir à découvrir encore des choses. Non mais c'est vrai, c'est fou quand on y pense que moi je faisais de la radio il y a 30 ans, j'ai arrêté il y a 30 ans, donc j'étais adolescent quand j'en faisais. Je passais notamment ta chanson, je me souviens très souvent, parce que j'adore beaucoup cette chanson, notamment dans des moments où j'ai besoin d'être un peu seul et tout, j'écoute Bien cette sûr. Chanson entre autres. Et puis aujourd'hui encore chez Redline Radio, je la passe encore. Mais elle est pleine d'espoir, et je m'en lasse pas. Ouais. Elle invite les gens à rester debout, à se lever, à dire que ok, on n'arrête pas le combat, on y va, quoi, mais de façon festive. Elle est d'actualité en plus, comme tu l'as dit, c'est vrai. Hein. Bah, elle n'a même pas vieilli. Tu vois, quand je dis pour un serpent de Bible a brisé son empire, ça veut dire que déjà, dans l'Ancien Testament, Ève a commis le péché originel. Et je suis contre, évidemment. Ouais. Si on parle de manière plus générale aux années 80, bah, c'est là où a eu lieu notamment ce succès. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de ces années-là, de cette époque festive et à succès? Alors, c'est surtout une époque de liberté au niveau artistique. Parce que rien n'était formaté comme aujourd'hui. On ne faisait pas des petites cases, telle radio joue ça, telle radio joue ça. À l'époque, tout était mélangé. Ouais. Et en plus, on avait le droit de faire des choses très originales. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'artistes actuels qui reprennent des samples, par exemple, de ce qu'on a créé, nous, à l'époque. Ouais. Parce que tellement c'était novateur. Ça a été une époque novatrice. Ouais. Voilà, on a inventé des trucs. Ouais. Et à mon avis, tu es de loin pas la première artiste à dire ça. C'est que vous aviez beaucoup plus de liberté. Une liberté artistique incroyable, oui, et une liberté aussi dans les. Il y avait. Alors tout n'était pas rose parce que malheureusement ça a été la grande époque où il y a eu le sida. Oui. Donc c'était. On dit c'était la fête. Non, oui. C'était pas que la fête. Moi j'ai perdu beaucoup d'amis et ça je l'oublierai jamais. Je peux pas. Ouais. Ça reste quand même un moment de liberté. Et la liberté n'a pas de prix. Et la liberté d'être, de faire, et d'être ce qui on est, comme on a envie de l'être, eh bien, je crois que je la revendique toujours aujourd'hui. Mmh. Voilà. Et moi, je trouve que moi, je suis quelqu'un de libre dans ma tête. Je me laisse pas entamer par des trucs et des machins qui se passent ou qu'on me dit autour. C'est pas. Je crois qu'il faut rester maître de ses pensées, de ses actions, et faire un petit peu ce que votre cœur vous dicte. Oui. Voilà. Est-ce que tu es un petit peu, alors du coup, nostalgique de ces années 80? Non, pas vraiment. Non. Non, non. Moi, je suis complètement fan de Beyoncé, d'Ed Sheeran. J'adore Vianney. Voilà. Ouais. Non. Je suis pas du tout comme ça à rester. J'écoute pas chez moi des trucs des années 80 et je ne m'écoute pas. D'accord. Bah écoute. Non. Il y a des fois des gens écoutent comme ça des morceaux moins connu de moi, et je me dis « Ah, c'était pas mal quand même ce que j'ai écrit. Ouais. » Voilà. Bah, en tout cas, quand on voit le show qu'il y a eu, parce que là, au moment où on enregistre cette interview, t'es passé quoi sur scène à 20-25 minutes, oui, à tout casser, oui, et j'étais dans le public, j'ai filmé, j'ai écouté, et je...
je devrais peut-être pas le dire, mais je trouve de l'artiste qui, de tous ceux qui sont passés jusque maintenant, tu es celle qui a fait le plus vibrer le public. J'ai filmé d'ailleurs beaucoup le public pendant que tu chantais, ce que je fais en général rarement. Parce que c'était incroyable d'être dans ce public et de voir l'ambiance qu'il y avait, que tu donnais. Ça me fait. Ouais. Bah, moi, je suis une fille de scène, c'est vrai. Ouais. Je suis une fille très saine. Ouais. Et puis tu chantes, alors je veux dire, tu chantes comme il y a 30 ans en arrière. Oui, bah, j'ai pas changé les tonalités. Ah ouais. Hein. Vraiment. J'ai pas changé. Je m'entretiens, je fais beaucoup de. Ouais. Voilà, de ce qu'on appelle des stages vocaux. Oui. Je travaille beaucoup ma voix et je continue. J'arrêterai pas. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a des projets ? Est-ce que tu officies toujours au niveau musical ? Tu crées, tu écris peut-être ? Oui, absolument. J'écris toujours. Je suis en train de travailler sur le concept d'un album qui paraîtra en 2019. Pour toi ? Pour moi, oui, wow. pour moi. J'essaye aussi de continuer à me faire plaisir. Moi, je suis artiste avant tout. Ouais. Alors, après, ça marche pas, tes premiers, tes derniers, je m'en fiche. Ouais. Encore une fois, je suis un électron libre, ouais. Je suis libre. Et ce que j'ai envie, c'est de créer des choses, de rencontrer des gens, de rencontrer d'autres artistes. Moi, je trouve ça génial. Ouais. Voilà. Et ce que je trouve génial dans ce genre de soirée, ouais, c'est que on se retrouve entre artistes très différents, mais c'est chouette parce que justement, on est là dans nos différences, ouais, on se côtoie, on est bien, ouais, on s'aime tous beaucoup. Et c'est un show très varié. Hein, c'est très varié. Ouais, ouais, ouais. Et il y en avait pour tous les goûts. Ouais. Et ça, c'est imparable. Ouais. Et si tu avais un rêve pour l'avenir ? J'aimerais beaucoup jouer dans une soit dans un film, soit dans une série. Il y a une série que j'aime beaucoup en France qui s'appelle 10%. D'accord. J'aimerais beaucoup faire une apparition, un guest. Ouais. Et faire un truc complètement fou. Un truc même... moi, je m'en fiche complètement. Jouer ton rôle ou bien jouer non, pas un du tout. Rôle. Ah, jouer, jouer un rôle. Un rôle. D'accord. Avoir du recul sur moi, ouais, même un truc ridicule, j'en sais rien, une vieille femme, j'en sais rien, un truc de fou quoi. Ouais. Je m'en fous, j'adorerais, j'ai envie de donner quelque chose là-dedans. Bah, l'appel est lancé. Ah oui. Julie Pietri, j'adore. Actrice dans les prochains mais mois. Mais j'ai déjà joué. Tu as déjà joué ? Oui, j'ai déjà joué dans une série qui s'appelle Dreams, un rêve de vie. Oui. Et j'avais un des quatre rôles principaux. Et j'ai tourné pendant un mois et demi sur l'île Saint-Martin. Voilà. D'accord. Et c'était génial parce que l'équipe était géniale, parce que les comédiens étaient géniaux. J'étais la maman machiavélique d'une jeune fille qui l'a poussée à faire n'importe quoi pour qu'elle réussisse. Ce qui n'est pas du tout, du tout, du ta tout personnalité. Dans ma personnalité. J'ai une fille en effet, mais je ne la pousse vraiment pas à faire n'importe quoi, ouais, au contraire. Voilà. Super. Je la pousse à se réaliser elle-même, ouais, en dehors de ce que je fais. D'accord. Voilà. Bah, écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup pour le temps que tu as consacré pour les auditeurs de Redline Radio. De rien. Et puis, continue à nous faire rêver dans tes shows, dans tes nouvelles chansons. Je donnerai toujours mon énergie pour le public parce que je le respecte beaucoup. Ouais. Et ben, comme tu l'as vu, en tout cas, oui, on est en Suisse et je pense qu'en France c'est la même chose et même ailleurs. Le public t'aime et puis là j'adore, vraiment il y a une sacrée preuve ce soir. À tout bientôt, Julie. À tout bientôt. Et merci beaucoup pour cette interview. Merci à toi. Salut. Salut.